Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom sur l'épisode de Fallout 4. Donc chers amis, on est à Sanctuary, ça vous étonne peut-être, vous voyez que j'ai un sac à dos incroyable. J'ai un sac à dos, donc c'était juste une question de style, hein. Après tout, vu le temps qu'on passe en... dans la nature, je me suis dit, tiens, on va se mettre un sac à dos à la place d'une bandoulière, ce serait toujours mieux. On avait récupéré dans le précédent épisode, taisez-vous, un marteau perforant et un marteau lourd. Bah, inintéressant. On va donc cruellement le déposer, hop, je voulais reprendre absolument... Juste de m'assurer que tout le monde remplisse bien son formulaire. Si seulement il pouvait se taire. Je t'ai censé gagner un jeu de couteau. Je vais t'envoyer au casse-pipe si ça continue. Je voulais prendre donc mon armure assistée X01 avant d'aller donc dans le... Pridewen, comme ils disent. Hein. Hop. Et je voulais monter sur le toit du monde. Hop. Voilà. Bon, c'est pas si intéressant que ça. Vous avez pas vu une espèce de lumière il y a 2 secondes? Non, c'est dans ma tête peut-être. Dans ma tête. Bon, eh ben on va aller se rendre sur le Pridewen, parce que j'essaie de me corriger, mais c'est pas si simple. Ah oui, et en attendant, chers amis, une seconde avant que vous commenciez, on a eu la notification d'aller voir Virgile pour voir s'il a changé. Bon, eh ben écoutez, moi je suis partant. J'ai subi des dégâts considérables. Bon, il a pas pop le. Ben relève-toi, enfin. Qu'est-ce que tu fais au sol? Voilà, merci. Bon. On va aller voir s'il a... Si Bruce Banner a réussi à se... Bruce Banner m'inquiète, hein. Il est peut-être encore plus gros et plus vert, hein. Oh merde. What? Nous devons trouver des hommes de science et des lieux d'éducation. Bah tiens, v'là. Il doit certainement en rester. Virgile. Ah, je m'attendais pas à ça. Bon. Bonjour Bruce. Ah, vous revoilà. Il faut affiner un peu la formule, mais on peut dire que mon sérum est une réussite. Une réussite? C'est une réussite. Il y a eu quelques effets secondaires. Mes cheveux ont repoussé et j'ai conservé une certaine masse musculaire. Mais te plains pas! Il faut que je revoie le séquenceur génétique. Enfin, je comprends votre réaction. C'est un progrès important, mais ça ne fonctionne que sur une seule souche du virus. Oh, dommage. Des années, peut-être même des dizaines d'années pour généraliser la formule. Quoi qu'il en soit, vous avez toute ma gratitude. Vous pouvez utiliser mon labo ou vous servir dans tout ce fatras, si vous voulez. De mon côté, j'ai tout un tas d'expériences à faire. Si vous voulez bien m'excuser. Waouh. Ah oui, puis tout est devenu... Je voudrais ton tableau avec les chats. S'il te plaît. Bon. Bah, bonne nouvelle, alors. Eh ben écoute, non, je vais rien te piquer, parce que, à mon avis, maintenant, le temps que tu rejoignes la civilisation, vu le temps que tu vas passer dehors, tu vas redevenir un super mutant. Mais c'est pas grave. Bonne chance. Ne fais pas capturer par l'institut. Alors, est-ce qu'il va être là? Là, je pense que le... Ah non. Bon, bah tant mieux. Alors, le Pridewen. Alors ça, déjà, je peux l'enlever. La destination, non. On m'avait dit d'aller là, mais je me rappelle plus pourquoi. Retirer le marqueur. Le Pridewen. On a 0 amis là-bas. Clairement, c'est ça que ça voulait dire, hein, le zéro. Hein. Alors. Chaque nouveau numéro du magazine piratage, je n'ai pas eu le temps de le lire. Ah oh. Et on est arrivé comment en sautant? C'est pas grave. Oui, j'ai une armure bien plus performante que la vôtre, et alors. Pour ne pas mourir de faim, emporte.
apportez toujours de la nourriture, si vous ne voulez pas avoir à manger des trucs douteux. Bonne idée. Bon. J'ai coupé la parole. Ah, voilà. À Curie. Donc. Curie, qu'il faut vraiment que je trouve de l'aluminium, hein, pour... Vous avez fait de l'excellent travail à Forstrong, soldat. Oh, mais merci, c'est gentil. Ce n'était pas l'Institut. J'aurais préféré m'en prendre à l'Institut. Oh non. Ne vous non. Faites non, non, pas non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, non, là, faut pas exagérer non plus. Moi, je pensais plutôt que c'était, ce n'était pas l'Institut, donc du coup, je l'ai fait. Non, 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 c'est pas du tout ça. Hop, sauvegarde rapide. Vous avez fait de l'excellent travail à Forstrong, soldat. Merci. Sarcastique. C'était du gâteau. Tant mieux. Mais attention, toutes vos missions ne seront pas aussi faciles. Nous aurons besoin de toutes les armes disponibles pour. Voilà, vous voyez, on va aller voler des armements. De donner le meilleur équipement possible à mes. Ah, attendez. Venez. C'est pour vous. Les balises fumigènes permettent d'appeler un vertiptère quand vous avez besoin d'un transport aérien. Il suffit d'en lancer une sur le sol et le vertiptère sera guidé par la fumée électromagnétique qu'elle émet. Une fois à bord, vous pourrez choisir votre destination sur votre Pip-Boy. Il sert d'interface avec le système de navigation du pilote. D'accord. Merci. Merci, aîné. J'en ferai bon usage. Je n'en doute pas. Comme vous vous en doutez, Forstrong n'était que la première étape de notre campagne de libération du Commonwealth. Une tâche autrement plus grande nous attend. Les derniers rapports indiquent que vous avez réussi à infiltrer l'Institut et à vous emparer d'une holobande de première importance. Quoi ? Je suis très déçu que vous ayez décidé d'assembler l'intercepteur de signal sans la confrérie, chevalier. Cependant, étant donné que vous avez obtenu l'accès à leurs installations, ce qui était l'un de nos principaux objectifs, je suis prêt à excuser cette erreur de jugement. Puisque vous avez précipité l'exécution de notre plan, j'ai maintenant deux missions à vous confier. La première, et de loin la plus pressante, est d'apporter cette holobande au véritable Ingram séance tenante. Nous c'est ne bête. Pouvons prendre aucun risque. Elle pourrait contenir des données indispensables à la réussite de notre mission. La seconde tâche, quant à elle, va nécessiter quelques explications supplémentaires. Il y a une dizaine d'années, la confrérie a entrepris de recruter des chercheurs des terres désolées de la capitale pour nous aider dans divers domaines. D'accord. Nous nous sommes ainsi attachés les services d'un certain docteur Madison. Oh, le docteur Lee. Une des meilleures spécialistes de l'ingénierie nucléaire. Non, c'est pas... C'est pas Fallout 3, ça. Comment la confrérie a-t-elle rencontré le docteur Lee? Elle participait à un projet civil que la confrérie a repris. Si? Nous n'avons eu aucun mal à la persuader de rester. Le docteur Lee a joué celle qui était amoureuse de mon père. De notre père dans le 3. Désolé de la capitale. Mais après quelques temps, certains différends sont apparus. Et elle a choisi de s'exiler au Commonwealth. C'est con. Porte à croire qu'elle avait l'intention d'entrer en contact avec l'Institut. Tu crois? Mais en fait, tous ces détails m'ennuient. Je voulais simplement vous poser le décor, soldat. Votre mission est simple. Une fois à l'intérieur de l'Institut, vous devez localiser le docteur Lee. Si elle est toujours en vie, entrez en contact avec elle et persuadez-la de revenir dans les rangs de la confrérie de l'acier. Alors non. Travaillons sur un projet spécial qui requiert toute son attention. Je vais... Parlez-moi de ce projet. Dans le passé, le docteur Lee a travaillé sur un projet d'armes particulièrement destructrice pour la confrérie de l'acier. Nous aimerions qu'elle reprenne ce projet là où il s'est arrêté. Vous n'en Donc non, peut-être que je me trompe. Concentrez-vous sur vos objectifs de mission et ne vous laissez pas influencer par ce que vous pourrez voir ou entendre là-bas. Bonne chance, chevalier. Non. Non, non. C'est hors de question. Je vais aller voir les quêtes. Les quêtes qu'on m'a données. Et rejoignez le chasseur, on va faire. Je préfère avancer dans les quêtes de l'Institut pour lequel je suis plus en accord avec eux que... D'accord. Écoutez... Ah, pardon. Pardon. Hop. Non, non, je préfère... Non, je supporte pas ces mecs-là. On va piller, tuer, détruire tout ce qui, va passer à portée de nos canons laser. Et ensuite, on va prendre toutes les technologies, et parce que les gens ont l'air d'en avoir une meilleure que nous... Pour Maxon et pour la confrérie. Non, 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 non. Tiens, vous savez quoi d'ailleurs, chers amis? Est-ce qu'il y a de la terre en dessous? Pain, 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 pain. Il fallait bien que je fasse la musique d'Avengers, là, par contre. Oh, nom de Dieu. Kenigou, saute! Il l'aurait fait que ça m'aurait fait mal.
Ici. Favori des tueurs façon gangsta, la mitraillette est une arme automatique à tir rapide disposant d'une importante quantité de munitions. Effectivement. La mienne, je ne peux pas l'utiliser parce qu'elle fait des dégâts explosifs, la pauvre. Alors. Sud. Sud-est. Normalement, ça devrait être par là. Et la marina, fait l'espèce de marina, c'est ça, est ici. Hein. C'était appelé marina, il me semble. Wow! Wow! Où est le deuxième? Activation des défenses secondaires. Hop, non! Mode de combat rapproché activé. Non! Les ennemis s'éloignent. Recharge! Dans les jambes! Deux coups. Ouais, j'en ai déjà un comme ça. Vous devriez vous laver soigneusement les mains. Oui, je sais. Les cadavres sont porteurs de nombreuses bactéries. Hop, j'adore comment qui se dandine. Alors, un vertiptère ? Ah oui, un vertiptère. Qu'est-ce qui branle ? Qu'est-ce que... J'aime pas ça. Nous pourrions améliorer considérablement les conditions. Non, c'est bon, il se barre dans l'autre direction. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de violence ici. Je suis désolé si je t'ai mis un... Mais dégage ! Veuillez cesser les hostilités. J'analyserai ces rapports plus tard. Hop, voilà. Alors, il y a une porte ici. Oh, c'est piégé. Kanigou, on ressort. T'aurais dû m'en douter. À votre avis, l'océan est-il entièrement contaminé ou l'eau est-elle plus pure au large? Oh. Ah bah ils ont pété le vertiptère, bah bien. Bien. Bon alors je peux pas rentrer par là. Je vais peut-être avoir le pointeur laser de là. C'est bon, je l'ai eu. Ouh. Et il était accroché à quoi ce pointeur laser? Ah, qu'est-ce qui déclenchait? Ça? Qu'est-ce qu'il déclenchait? Eh ben, on ne saura jamais ce qu'il aurait déclenché. Déverrouiller, avancer. Bon. Moi, j'espère que mon enregistrement génial fonctionne. Ce serait une catastrophe de perdre du Fallout. Alors, je vais faire un essai, chers amis. Hein. Je vérifie. Hop. Ça fonctionne. Parfait. Hop. Faites que ça tienne. Ah, le voilà, le piège. Aimer le désamorcer. Bon, pourquoi pas, je le prends, ça le désamorce. Oh putain, mais t'es censé sortir normalement. Oh, mais merde. J'ai gaspillé suffisamment de balles de ce flingue. Alors là, il y a un petit entrepôt. Dégage. Cet endroit est d'une Hop les. Mais non, dans ta tête. Alors. Aucune de portes n'avait l'air piégée de toute façon. Donc, de ce côté-là, on était bon. Brochette d'écureuil, liqueur, bouteille blanche. Aucune idée de ce que ça pouvait être par contre. Hein. Alors.
que le mot est... Oura ? Tout à fait. Comment suis-je censé abaisser le pont ? Alors, je ne suis pas censé l'abaisser, je suis censé grimper sur la voiture. Je pense. Hop. Tout à fait. Oula. Oula, oh bof. D'accord, c'est sauvage dans le coin. Alors, laquelle je choisis ? Celle-là. Hop là. C'est l'ouverture de la chasse, chers amis. Alors, un de ces quatre, il faudra vraiment que j'utilise un mode qui fait que montrer les... Oh putain. En fait, ce panneau m'a fait peur. Il semblerait que ce soit par là. D'accord, j'étais même pas sur le bon pont ni sur la bonne marina en fait. En tout cas, cet endroit ne me fait guère confiance. Enfin, je ne fais guère confiance. Enfin, ouais. Je me sens pas confiant. Ses intentions sont peut-être amicales ? Non. Voilà pour vous. Vas-y! Tape! Kenigou, mort! Hercule! Ça va les filles? Ça va. Kenigou, la forme. Parfait. Par contre, j'aurais bien aimé pouvoir piocher ici. Parfait. Deux aluminiums, génial! Oui, c'est comme ça qu'on faisait avant-guerre. Wow! Ok, problème résolu. Bah. What the fuck? Hop les, une balle bien placée, chers amis, vous voyez. Oh le joli champignon. Donc en fait, ils ont une partie faible dans le dos. Hein. Je précise pour ceux qui n'auraient pas compris ce qui s'est passé. C'est une petite partie faible dans le dos, normalement qui s'ouvre de temps en temps, mais je pense que les dégâts explosifs de l'arme ont atteint malgré tout le cœur de... du robot. Ce qu'on pourrait appeler le cœur du robot. Et ça passe bateau là-bas. Il y a un truc derrière. Ah oui, c'est un bâtiment. D'accord, il est complètement... moche. Wow. Un bus. Non, un fourgon. Alors, une mouette. T'entends, hein. Je crois que nous avons de la compagnie. Non. Oh. Quoi? J'ai vu un truc. Ça sert à rien, je toucherai pas. Deux. J'ai vu un truc où c'était marqué légendaire. Ça ne m'a pas plu. On a bien vu un titre beaucoup plus long. Major Gusty légendaire. Major. J'entre en mode combat. Encore. Qu'est-ce qui me tire dessus? C'est lui qui tire des balles comme ça? Wow! Alors, j'ai à préciser que j'ai utilisé des Steam Packs. Ok. Viens par là. Je vais utiliser ça. Pardon, celle-ci. Il est cool pourtant. Hop là. Ça va aller? Tiens, Kenigo. Bouffe. Curry a aimé. Oh bah oui, bah t'aimes bien quand je soigne le chien. Waouh. Saleté.
Anti-ghoul. Ah merde. Encore une victoire pour la confrérie. Question. C'est bien ce qu'il me semblait. Je ne suis pas à même d'utiliser le jetpack sous l'eau. Je voulais voir à quel point il était craqué ce jetpack. Bah pas tant que ça. Bon. Ça, c'est fait. On a potentiellement loupé des choses. Alors. Ça s'ouvre ce truc là? Non? Dommage. C'était stylé. Alors là-bas. Ok. Qu'est-ce que... C'est Curie? Mais qu'est-ce qui branle dans l'eau? What? Ok, ça va aller Curie, je te remercie. Ah, quelque chose qui a explosé là-bas. Est-ce que vous croyez que ça veut dire venez par ici? Oui, sûrement. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là, déjà? Rien. Non, rien du tout. Mais ça tire roi sec, hein. Un laser bleu? What? Oh merde! Ah, Victoriam! Tu aurais dû appeler. Merde! Merde, Creddy, je sais pas quoi faire! Qu'est-ce que. Qu'est-ce que je suis censé faire? Gars! Pas de pitié! Mission accomplie. Les mains en l'air. Quoi, ils l'ont abattu? Ah non, il est pas abattu. N'est-ce pas le travail du... On n'est pas seul. Pour la confrérie! Là, juste là. C'est vrai que si je lui parle en même temps, elle va. Je pense que c'est bon. Ah, c'était pas de bon cœur. Je les aime pas, mais elle, elle méritait pas. Fait chier. Bon, malheureusement, faut pas que... J'ai récupéré tes plaques d'identification. Faut pas que tu sois reconnaissable. Ah, la vache, elle est solide. Bon, bah tant pis. Ah putain, j'aime pas faire ça sur des... Enfin, les soldats, ils y sont pour rien, c'est la tête qu'il faut que je coupe. Enfin, les têtes, en l'occurrence. Oh putain. Wow. Je viens de te sortir de la merde. Tu pourras venir me voir. Vous devez être le chasseur que je dois accompagner. C'est exact. Matricule X688. J'ai déjà neutralisé le garde du périmètre. À votre signal, on pourra lancer l'assaut sur la flottille principale. Info sur le synthétique. Sur Gabriel, le synthétique. B-592 se terre dans la cabane perchée sur le cargo retourné. On peut s'attendre à de la résistance. Il est sûrement entouré de ses meilleurs combattants. Alors. Ah oui, exact. On peut y c'est aller. Le celui qui. Je n'ai pas besoin d'aide. Je peux m'occuper de ces pillards moi-même. Je n'en doute pas un instant, mais j'ai des ordres à respecter. Si vous comptez affronter ce synthétique, je vous suis. Ok. Là-bas déjà, il y a un laserotron. Non, c'est pas un laserotron. Je détecte une présence à proximité. Identité inconnue. Je dois rester vigilant. Attendez. Vous avez entendu quelque chose? Non. Il y a quelqu'un d'autre. Oh! J'adore quand ils font ce petit coup-là de je me retourne, je me retourne.
Ok, grenade. Ah non, tiens. Regardez ça. Bon. Hop. Deuxième. Deuxième sommation. Troisième sommation. Eh ben il est balèze ce truc. Ok. Bon, on a level up, chers amis. Allons voir. Perception, non. Armurier rang 4, on l'a. Forgeron rang 3, bon bah écoutez, pour l'instant ça c'est pas nécessaire. Farfouilleur, vous trouvez encore plus de munitions dans les contenants, ça pourrait être intéressant. Excusez-moi. Alors plus de munitions avec les flingues. Enfin plus de capacité avec les flingues, ça serait peut-être intéressant aussi. Puis entre le marchand de sable et la faucheuse, vous pouvez tuer une personne dans son sommeil. D'accord. Ça pourrait être intéressant. Ouais. On a qu'un point en agilité. Ou alors j'augmente l'endurance, mais bon, on est déjà assez résistant, je trouve. Hein. Quoique. C'est où la résistance aux armes laser? Les radiations régénèrent votre santé. Goût l'attitude. D'accord. D'accord. Bon, il y a plein de trucs à faire. Hein. J'hésite pour l'instant entre ces trois-là. Sachant que j'opterai plus pour les munitions, parce que de base, si on n'a pas les munitions pour tirer par exemple, ça ne vaut pas le coup de tirer. J'ai cru entendre quelque chose bouger. Ok. On mouline. Alors qui c'est qui a fait le con et qui est passé devant moi? Voilà. Eh ben il est bien ce flingue. Ok. Bon, on y va. C'est parti. Marrant qu'il y ait un tas de cendres au niveau de la cheminée. Surtout que je crois pas qu'il y ait une... Hop. Ça aussi, c'est fait. Bah, il est vachement bien ce flingue. Il est vachement bien. Par contre, ça fait 6 balles par 6 balles. Hein. Mais il est efficace, je dois le reconnaître. Alors, pillard. Switchblade. D'accord. Inintéressant. .44 pistolet rapide. Intéressant. Oui, je sais à qui ça va aller.
Ouais, prof. Le whisky, je prends. Cigarette, vin, bourbon. Cendrier, je voulais pas le prendre, mais je visais le... Ah, bougez-vous. Porte déverrouillée, expert. Intéressant. Bla. Donc elle est légèrement à droite en fait. Voilà. Ça y est. Par déduction. Ça y est, j'apporte du comment du. j'apporte du Agatha Christie dans Fallout. Hop. Ouais. Un anneau de funambule. Je vais tout prendre. Hop, c'est pas grave. Normalement, j'ai tout récupéré. On progresse. Donc, il semblerait que cette lumière rouge, en fait, ils ne la voient pas trop, en fait, cette lumière. Les ennemis. Hop. Bon. Ok. C'est bon. Un instructeur de fitness. On en trouve peut-être un petit peu beaucoup, hein. Pourtant c'est pas moi qui peux régler ce genre de détails. Mais j'imagine que quand la zone est considérée comme un donjon... Un peu de pouce... Oh, putain. Merci. Ça te fait pas bizarre de me voir avec une armure de la confrérie de l'acier? Au passage. Oh, génial. Il y avait 4 mini-nukes dans le truc. Vous êtes sérieux? Putain, j'aurais dû rajouter le machin à munitions rapide, plus vite que ça. Alors, il y a un ennemi là-bas. On recharge. Elle, je l'ai abattu. Il y avait un ennemi là-dedans aussi. Non? Bon, là-bas, il y en a peut-être. Il y a une tourelle. Ok, mais elle est carrément efficace cette arme. Si j'avais su, chers amis. Ah, c'est un corbeau qui faisait le mouvement. Seriously? Bon. Ok. On est plutôt bon. Dans la vigie là-haut, il semble y avoir personne. L'open bar. Je pense qu'on va aller bourrer maintenant. Hop. On va sortir. Peut-être pas la batte de baseball, peut-être l'arme laser plutôt, oui. Vu qu'on a commencé avec du laser. Plus on l'a amélioré dans un précédent épisode, donc on l'a pas encore utilisé. Donc c'est l'occasion ou jamais. Bon, y'a rien. On a dit direction l'open bar. Ok, oh. Du vin. De l'eau de vibrose, bon, je me rappelle plus comment ça s'appelle, de la vodka, de la guinette, une lanterne et du bourbon. La lanterne, je voulais pas la prendre. Kenigou a trouvé un ennemi. Ah oui, Kenigou? Où l'as-tu donc trouvé? Yo les filles! Merde! C'est fini. Mais non, elle est pas si... Zone sécurisée. Pas si efficace, hein. Alors, qui est le trou du cul qui a déclenché le piège? Peut-être moi.
peut-être moi. J'ai l'impression qu'on nous suit. Ah, j'ai pas de grenade en équipée. Appelez. Oh ! Quoi ? J'ai loupé ? Comment ça, j'ai loupé ? Bonjour, on m'appelle Iron Man dans le métier. Jolie lunette. Tiens, c'est cool, je récupère la grenade que j'ai perdue. What? Il y avait un piège? Non? Ah non, j'ai cru. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah ah! Hop! Canigou! Fais pas le con! Donc faudrait qu'on aille là-bas, mais on va pas y aller tout de suite. Boum. Mais c'est du bois, ça va tenir. Dis bonjour. Quoi? Canigou! Dégage. Le mec il bouffe une grenade. Ah mon bras! Quoi? Bagarre minable. Hop. Hop, dis au revoir à ta tête. Où es-tu? Il n'y avait pas un autre? Ah bah si, mais apparemment il a pris cher. On va s'arrêter au terme prix cher. Ok. Donc j'aurais pu passer par là en fait. C'est ça que le jeu est en train de me dire. Oh oh. Et il y avait rien. Alors là, vous auriez pu mettre un truc. Là, franchement, les mecs, vous êtes moyens. Alors là, ce sont des faux. Oh merde. Je crois que c'était la pire connerie à faire. Bon. Libertalia, on se re-téléporte. Hein. Tant pis, c'est pas grave. Parce que là, de toute façon, on est en plein milieu de l'océan, donc on n'aura pas pu remonter. Il aurait fallu lâcher l'armure. Alors non. Contaminé. What the fuck? Mais non! Mais qu'il est con! Hop, j'en profite pour tester mon enregistrement. Bon, ça se passe bien. Ça se passe bien. Là. Elle. Voilà, je voulais juste le prendre et le jeter, c'est tout. Qu'on me fasse pas chier avec cette histoire, enfin... Quoi? Mais cassez-vous! Ah, ils me gonflent! Ils ont pété? Ils ont pété quelque chose, mais alors quoi? Oh, en fait, ils se bouffent une roquette en pleine poire. Y'a un mec là-bas. What the... C'est clairement une invitation. C'est clairement une invitation, ça, chers amis, je suis désolé. Merde, c'était quoi ça? What? What? Mais il s'est passé quoi encore? C'est quoi ce truc? J'ai sauté? J'ai fait l'action de sauter, je me suis retrouvé dans l'eau. Enfin, dit comme ça, c'est stupide. Mais, enfin, vous avez bien vu, chers amis, il y a un truc qui va pas, là. Qui cause. Ferme ta Joël. Casse-toi. Ah oui, et puis maintenant que j'ai fait ça, je suis obligé de monter. Ça a rien de se cacher. Bah
Et tais-toi donc, Edredon. Mais il voulait pas sauter. C'est alors là, je sais pas ce qui se passe. Mais c'est une catastrophe. En plus, l'eau est froide. Soyons honnêtes. L'eau est froide. Qu'est-ce que... Tactique éculée, visée approximative. Ah bah oui. On va en finir vite fait. Merde. Faisons comme si je ne le voyais pas. Donc là, il a bien voulu sauter. Hop, parfait. On va quand même réduire au maximum les sauts. Hein. Il y avait du huile là. Et un steampack. Un. Bon, la nacelle est restée sur place. Vous avez vu le mec là-haut? Alors. Raté. Ah, c'est pas mal comme arme, hein, j'aime bien. Touché. Bourre. Touché. Recharge. Ah putain, il est trop loin. Et il y a un pirate légendaire avec lui. Bon, on a dit quoi? Qu'on bourrait. Est-ce que j'ai suffisamment de balles dans le magnum? Oui. Oui, j'ai suffisamment de balles dans le magnum. Allons-y. Salut les mecs. T'inquiète pas, j'arrive. Yo les filles. Tu vas crever, oui ou merde. What? Ah, c'est parce qu'ils ont pop à côté de nous. T'es à découvert. Planque-toi derrière quelque chose. Qui lui apprend en plus? Alors, ici on a quoi? Ok. Bon. Progressons. Bonjour. Oui, tu m'en diras tant, mais... Rien du tout. Ah, tu es le légendaire. Veuillez cesser les hostilités. Mon bras! Il est cassé! Voilà pour vous. Couchez! Couchez! What? Couché. Il avait un Fat Man, mais il a choisi de ne pas l'utiliser. Enclenche. Boum. Oh, cette explosion avec les yeux. Regardez-moi ses yeux. C'est pas magique. À deux sur toi, tu ne peux rien faire. T'es aveugle? Oh merde. De plus à un affrontement. Mais par contre, t'es clairement pas une guerrière, ma grande. Hein. Sans fin. Ah, ça en avait déjà un comme ça. Bon. Bon. Ah, apparemment. Vraiment quelque chose. Je ne connais plein pas à craquer. Les coutumes de la surface. Canigou, fais pas le con. Ok. Effectivement, j'ai récupéré plein d'armes. Déjà ça, et je suis plus tranquille. Bonjour. De l'aluminium. L'aluminium, c'est la vie. Yo. Oh.
Ah oui, d'accord. J'imagine que c'est par là. Allez plus haut. Allez plus haut. Vraiment que j'arrête de chanter en vidéo. Ah, j'ai bien fait de chanter. Alors. Hop, ça c'est fait. Joli. Encore un... Oh, ça commence à faire beaucoup quand même. Il y a une vingtaine d'anneaux, mais je vais tous les avoir rapidement. Ça se trouve, il y en a un peu plus maintenant que le mode a été mis à jour. Je ne sais pas. Espèce de... Excuse-moi, je t'ai écrasé ? Oh merde. Ah non. Non, c'est pas de la triche. J'ai un jetpack. Je m'en sers. Oh. La casserole. Kanigou, tu es d'une vitesse, Kanigou. Franchement, je t'adore. Il va vraiment falloir que tu vires de l'équipe, un de ces quatre. Alors. Ok. Ok, salut. Bon. On a trouvé quelque chose ici. La carafe à alcool en cristal. Je vais la prendre. C'est du cristal. Cristal, ça vaut de l'argent. Oh, une chambre. Du bourbon, du vin. Une boîte à cigares. Et une porte. Et chers amis, on va se laisser là. Pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, ne pas retrouver dans la bannière de la chaîne, n'hésitez pas aussi à cliquer dans le descriptif de l'épisode et aussi dans la bannière vers mon partenaire Gamesmen.com qui m'a gracieusement offert donc ce jeu Fallout 4, mais aussi Mad Max, Star Wars Battlefront, Agatha Christie, The ABC Murders, et sur lequel vous pouvez retrouver donc une grande quantité de jeux à des prix plus bas que ceux qui sont sur Steam, donc toujours intéressant d'avoir cette petite remise. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous de suivre cette série, d'être fidèle à la chaîne, vous êtes d'une sympathie sans borne, chers amis, sans vous je n'en serais pas là où j'en suis, encore une fois un grand merci à vous, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens.